Hello tout le monde, c'est Silent et on se retrouve sur Banik Vizak. On va continuer notre petite run avec le Tainted Judah. Paf. Donc on a fait quoi la dernière fois? Je crois qu'on a essayé de faire Hush et je me suis fait atomiser le cul, un truc dans le genre. Je crois que c'était ça. Dans mes souvenirs c'est ça. Maintenant je suis pas très sûr donc voilà. Ah merde, de nouveau j'ai mon setup. Ah qui est pas mis en place, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est parti. Pas cool, ça commence très mal, Ok, on va se ressaisir et pas prendre de coups sur les salles suivantes. Je suis pas très fan de ça là. Avec un perso qui est un petit peu... sans cœur rouge quoi. Ça va le faire mais c'est un peu risqué quoi. On va tester la potentielle salle secrète. Là-haut. Allez. Chouette. Une bombe de sauvée. Je suis en train de me dire qu'il a peut-être une range un peu poubelle ce perso quand même de base, hein. Ouais hein. J'ai bien l'impression que c'est le cas. Enfin, faut dire que son item est tellement fort qu'il faut bien nerf des stats quelque part. Et de base il tape un peu plus fort que la moyenne je crois. 3-5, normalement c'est 3 je crois. Donc, pas trop mal. Judgment. C'est pas mauvais mais c'est pas fou non plus là actuellement. Ça mange pas des masses, disons. Super. Pas d'HP up, s'il te plaît. Excellent. Alors. On aura des bons dégâts là. Juste faire le reste de l'étage, quand même, histoire de peut-être choper un truc ou deux. Une clé, si possible, dans l'idéal. On a Judgment qui est là. Ça va, ça va, c'est pas trop mal. Ouais, on va rien faire d'autre, on va se barrer comme ça, tant pis on prend les étages normaux. Les étages alternatifs sont pas si importants que ça, mais le suivant, il y a quand même pas mal, parce que il y a le reverse. Donc il y a des objets en plus, juste pour ça, ça vaut la peine. Putain de merde. Ouais, cette mouche là... je la sens pas. Au bon moment la clé hein, cool. Jiminy, ouais. On est bien. Au niveau de la forme, je sais pas si c'est Jiminy ou pas. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une petite run de pète on dirait. Jiminy, je suis pas très convaincu avec la mouche là, si je dois me coller aux gens. C'est pas idéal, on va laisser venir un peu. Merde. Il est peut-être un petit peu trop laissé venir là. On va refuser le pacte avec Satan, ça c'est sûr à 100%. Et on va tenter d'avoir l'ange. Waouh, cette chance. Ça c'est de la chance les gars. Ça putain. C'est pour ça à chaque fois que je dis que quand il y a des bombes les gars, à récupérer, même si vous avez une bombe, faites sauter hein, les contours, vous savez jamais ce qui peut se passer. On a BFF, bah let's go. On a deux pets déjà donc c'est excellent. Oh là là, mais c'est pas possible, j'éternue non-stop. Je suis en train de tomber allergique à ce jeu ou quoi? Le Soulheart en plus, c'est pas mauvais. Ça va même être très très bien. Faisons le boss déjà. Ah, dommage, la mouche était à 1 cm. Ok, bouge pas. C'est bien. Comme je dis, on refuse le pack donc on s'en fout. Une cadence de tir augmentée et puis un Soulheart. Pas mal. Putain de merde. Arène sanglante ou. Ouais, l'arène ça peut être sympa. Enfin, l'arène. L'arcade.
On va simplement faire sauter ça déjà. Ok, ça aussi. Ok, bon, on continue notre massacre de machines. Ok, bon, c'est pas trop mal déjà. On fait quelques petites pièces, des bombes sur le chemin. Salle secrète. C'est pas là. Être juste là. Non, bon bah ça doit être juste là alors. Mais je sais pas de temps. Ok, et eh ben barrons-nous. Ouais, bon, on peut faire ça. Quoique, non, en fait, ça peut pas être là non plus. Hein, parce que. Non, 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 là y'a rien en fait, c'est bon, ça peut clairement être là. Par contre, je vais le mettre depuis ce côté, parce que pas merder au niveau de l'angle. Récupérer deux pièces de plus par rapport à ce qu'on avait mis pour la bombe, ça va. Du coup, étage alternatif. Le boss rush, on a fait. Hein. Le boss rush, c'est l'étoile, je crois. Ça, c'est bon. On refuse le pacte, hein, comme j'ai dit. On veut plutôt avoir l'ange. Vu les peu de points de vie qu'on a, ce serait meilleur. On n'a pas de clé. Merde pour le moment. Chier, je sais pas si c'est une larme qui m'a touché ou une mouche, mais je crois que c'est une larme. Ok. Putain, la mouche elle respawn tellement vite, c'est de salle en salle maintenant ou. Putain de merde. Ok. Super, ça aurait été bien, mais là, ça va pas trop m'être utile si on peut mettre de la salle. Ah, quoi que je peux me mettre en Zolas pour les récupérer, donc ça va. Faut qu'à ça. Donc la clé est tombée, c'est bien, mais on va déjà faire clean tous les tâches, je pense. Comme ça, on fait pas 10 000 backtrack inutiles. Attention. On y va. Sur la mouche. Ouais, regardez ça quand même. Je me doute, c'est lequel. On peut donner de la thune, hein. Pas très fan, mais pourquoi pas. Merde, c'est pas ce que je vais faire. Tant pis, hein. Je vais bien prendre ça. Et le cœur à moitié pris. Et on le fait sauter pour avoir plus de chance. Prendre ça. Pour le moment, on n'a pas de pète qui pleure, mais on ne saurait tarder. J'ai pas de. Non, je sais pas. Bon. Hop! Ouh, tech, bah go. Hein. Moi qui me plaignais de la range pourrie, bah voilà. Et ce qui est bien avec les pets, c'est qu'ils sont toujours actifs hein, quand on est en Dark Arts. Hein, donc le Gemini, ils foncent sur le boss et tout, hein, donc ça c'est super bien. On va se remettre en The Last et puis on va aller faire l'étage reverse, je suppose. On allonge jusqu'à pas voulu ouvrir ses portes, c'est un peu chiant. C'est un peu plus dur à proc, hein, comme je l'ai dit de base, vu qu'il faut refuser un pacte pour que ça commence à proc et après ça repart à 38%. Là ça va passer à 72%, je crois. Je crois que je vais à la salle de rue, je sais pas, les gars. Allez, récupère les pièces toi, gentiment.
bombes, c'est cool. On va tout clear vite fait. Les salles étaient pas très dures dans mes souvenirs. On a reload le truc du marchand, on va peut-être aller là-bas aussi vite fait. Prends les thunes. C'est pas spécialement mon bum favori, mais bon. Que voulez-vous, il est là, il est là. Hein. Joli, mais ça va pas l'ouvrir de l'autre côté du coup, non. Attention, c'est pas une salle qui est très intéressante pour moi. Waouh, la violence. Bon, c'est mauvais, mais c'est pas le pire. Au moins un one time de speed up, pourquoi pas. Ok, cool, pas mal de. Ah, on peut aller récupérer la première partie du couteau quand même, on sait jamais. Tac, tac. Un petit sprint. Par là. Merde, bon bah. On va se remettre un peu de thunes histoire d'en repasser à 15, je pense, parce que là on a piqué. Je vais quand même aller au marchand, reclaquer l'item. Si jamais ça peut faire gagner des trucs gratos, hein, faut pas se plaindre. Là, une bombe. Smash the Lost et on repart. Ah, du coup, la salle elle est révélée, mais bon, on la voit pas. Maintenant, la question c'est est-ce que je vais quand même passer. Ah. Bah, à part pour la deuxième partie du couteau, ouais, il y a quand même deux choix d'items. Vas-y, vas-y, vas-y. Take the risk. J'ai pas envie de tomber sur Gideon, je le dis souvent, mais. Il casse couille ce perso. L'arène, non, pas très intéressant. Cool qu'on puisse voler là, du coup on récupère ce cop gratos. Ah, j'ai l'impression qu'elle respawn à chaque truc maintenant, c'est plutôt pas mal ça. J'aimerais bien le faire sauter, mais en mettant. En faisant un espace. Je crois que comme ça, ça devrait être bon. Ouais, du coup on fait les greffes pour s'en prendre des dégâts. Alors le problème c'est qu'il faut qu'on fasse attention à ce qui tombe du coffre, donc on va attendre que ça se reload. Ok, on ressort. La petite clé, on va aller là-dedans. Chouette. Ouais, on a des bons dégâts déjà. Hein. Les petits pets ils font le taf. Hein. Y'a pas à dire. Ah merde, j'ai repris. Ouais, ils respawnent directement de salle en salle. Putain, c'est. Ça a été hop ça. C'est bien. Clé encore. Attention. En fait, ça, on a trop de clés déjà. Peut-être après. Ok, let's go. Bah boum, non, non merci, quoi, clairement. Yeah, un nouveau pet. Bon bah, run des familles, hein, c'est parti. Une de mes runs favorites à nouveau. C'est vrai que je m'en fous un peu en fait de lui laisser des pi de lui prendre les pièces parce que de toute façon on a tout caché de gratos donc. Vas-y, YOLO. Bon, ok, on va acheter ça dans tous les cas. On va le faire sauter pour augmenter les chances et potentiellement le loot, la thune. Non. On va faire pareil ici. J'aurais dû checker avant, c'est dommage. Alors on va la placer à côté de lui au cas où pour après. On va garder ça. Tac. Encore des clés, putain. On a eu pas mal. Let's go pour le boss. Bon, bon bah.
Le classique, hein, il est tout le temps là. Et c'est chiant pendant ces phases quand t'as tué tout le monde, t'attends là, rien faire. Ah bah j'ai la mouche hein. J'ai la mouche. Il va tout casser. Ah ouais, comme ça, sur la gauche, putain. On l'a géré, l'ange a ouvert ses portes, allons voir, bim, coucou. Alors ça je crois que c'est quand on est full life. Mais du coup ça marche avec ce perso ou pas hein. Donc c'est les Soulheart. Sinon ça c'est les Heartbringer, c'est pas mal aussi, hein. Les deux sont très bien. Je vais juste aller voir Angel Item Pool. Je regarde en live comme ça, c'est pas un problème les gars, vous inquiétez pas, je vous fais le topo. Alors, la petite couronne. Plus de sort alert quand on le prend, when Isaac has no empty red hearts, grants damage x2, donc x2 les dégâts. Plus de range, une shit range, 5,25, c'est énorme. 0,3 en moins en shoot speed, donc un peu nul. Regardless of health, the crown is activated to the current. Room when Isaac takes damage. Ah ouais, quand tu prends des dégâts, c'est out quoi. On va prendre le l'Airbringer, je pense, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Enfin, des pets en plus. Et on va le fumer juste par principe. J'ai pas de bombe donc non. On a une run de pets, hein, les gars, on va pas refuser des familiers quand même. Ce serait un petit peu con. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. La Rens, oh non, la Rens, ça va être chaud au niveau timing. Rush, récupère cette batterie déjà. On va donner quelques clés au petit bonhomme. En tout cas, 2-3, je pense, ça devrait être assez safe. Ça, c'est de lâcher un truc. Ok. Bon, allez, une last. Bon, allez, je donne tout. Ah, j'aurais dû faire une bombe. Ah. Cool. Écoute la bombe, oh là là. Donne la dernière clé. Sauter. Merde, j'ai pris les. Ah là là, faut que j'arrête de prendre des pièces. C'est pas grave. Bon, du coup. C'est 30 minutes hein, pour AVA. Ah, ça le fait, on est encore dans les temps, je pense. Ah, ils sont décalés à mort, fais chier, je les ai encore plus décalés. Et je me prends un dégât parce que je suis débile. Bon, c'est pas grave, t'es quasi full life. La fête aux familiers, les gars. Mais arrête de prendre les pièces, imbécile. Je sais pas si j'allais chercher le couteau, les gars. C'est un peu long à récupérer cette merde quand même. Prendre une clé en plus. On va pas dire moi ça. On va le faire sauter aussi, juste pour checker la salle secrète en même temps. Bah voilà. Récupère les pièces, toi. Ah, pas celle-là. Il l'a prise ou je l'ai eu? Non, il l'a prise. Hein. Quel enculé. C'est une presse lock-up. J'ai dit presse. Pas une presse, c'est une pièce. My bad. Je vois rien que les pets en fait. Peu chaud. Stapler, excellent. Alors, et cette fois, une belle diagonale cette fois. Écoute, ça. Ah. Voilà. C'était quoi ça déjà? Bon, on s'en fout un peu, on les drop au cas où. Mais je fais n'importe quoi, les gars.
péter. Ça va péter. Il a pris une sauce le boss. Et du coup il nous a lâché une bombe en plus parce qu'on l'a tué avant que il rentre par la porte. Donc c'est pas trop mal ça. The Meat, ça compte nos dégâts, c'est cool, il n'y a rien d'autre dans cette salle mais faisons-la vite fait. Tac, let's go. Quand même trouver la salle dorée, le marchand, ça serait bien, on a de la thune, on a le coupon, donc pas mal de choses à faire avec cette salle. Ok. Shit, ça va me faire toucher. Mais qui m'a touché sur la fin? Je sais pas. À droite. Oui, run des pets les gars. J'adore. Allez, sort ta tête. Bim. Bracelet de force, on veut. Non, c'est pas celui qu'il faut là. On va le prendre. On va prendre ça aussi. Puis voilà. On va se barrer. À peu près 12 minutes pour les étages restants, il nous en fait 3 étages. On peut faire sauter, ouais on a assez de bombes clairement. Bon allez, on fait vite la dernière salle ou pas? Check vite fait. Go. Ah, prends pas les pièces, vas-y, ramasse. Bon merci mais c'est pas ouf. Donc la clé c'est vraiment non quoi, on peut pas, c'est trop risqué. Donc étage normaux. Let's go. Mais mec. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Swallowed MBO. Mais c'est quoi, on va aller voir sur Platinum, je sais pas ce que c'est. Platinum. Alors MBO. Ah là. Ah, M80. Ok. Waouh. Ok, quand tu prends des dégâts, t'as une chance de exploser comme et de faire 185 de dégâts à tous les ennemis autour de toi. En gros c'est comme si t'étais un dégât de méga bombe. C'est pas mal mais bon je fais la run des pets donc ça sera meilleur clairement. Ah parce qu'avec la cuir les pets ils auto-aim hein, donc clairement plus intéressant pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Excellent. Par en bas. Attention. Pas hésiter à utiliser le tarot cards pour juste sprinter plus vite les gars, vous allez en avoir besoin. Pour gagner du temps. Ok. Merde, je la ramasse encore, je suis vraiment débile. Ouais, c'est pas fou, c'est trop risqué de claquer des points de vie là-dessus. On va les garder, puisqu'on va faire délirium et tout le bordel. Hein. Ça va pas rigoler. Là c'est déjà la mom donc ça fait un peu chier puisqu'on a raté la salle d'or et tout le bordel. Je veux pas les rater, on en a besoin. Faut qu'on se mette le mieux possible hein. Affronter des trucs qui sont pas forcément très faciles donc mettons toutes les chances de notre côté. Go. Merde, c'est pas ce que je veux faire. Bon c'est pas grave. Ah putain, y'a un trou là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à passer. Fais sauter ça vite. Ouais. Deux clés, hop, le sol supplémentaire. Ok. Bon bah, c'est vraiment la dernière salle, mais c'est pas grave. On l'a trouvé.
fumes là toi. On prend, on part dans le sens. Ok. C'est un peu chaud là, je regrette un peu d'avoir pas pris de thunes. Parce que là la stopwatch aurait été excellent. Et je crois qu'on a pas de quoi. On pourrait trouver la salle secrète mais bon. Pas le time pour ça les gars. Tant pis. Je checkais potentiellement la salle secrète qui peut être là quand même. Bon, fuck là. Je sais pas, je teste hein. Ok, j'ai capté, j'ai capté. Elle est en endroit un petit peu incongru, genre peut-être là. Tant pis, tant pis. Allez, mom. Mom agressif ça. Alors, si je veux faire des lits... C'est important de prendre ça. Alors là, avoir le shield. Ah, c'est la death list. Non, merci quoi. Genre, clairement non. J'aurais peut-être pas dû rentrer d'ailleurs. Ouais, j'aurais peut-être pas dû rentrer pour avoir plutôt l'ange. C'est pas très malin. Bon, 9 minutes. Enfin, 8 minutes plutôt. Et quelques secondes, genre 14. Allez, on prend le grand couloir là. Ok, c'est bien. Écoute, on va quand même prendre ce machin là. On va attendre que le truc se recharge. Ah merde, la mouche. Et c'est le mauvais endroit. On repart dans l'autre sens. De nouveau la malédiction des mauvaises salles, ça recommence. Prends. Bon, tant pis, on n'a pas le temps pour ces conneries. Ouais, la malédiction des mauvaises salles, les gars, ça recommence. Putain de merde. J'ai pas pensé, mais c'est des petits pets, c'est comme des petits pets les trucs qu'on invoque quand on tue les ennemis là. Je crois, hein. Plutôt pas mal quoi. On va quand même casser ça, hein, on sait jamais. On fout de ta pilule complet. Ah là là. Allez, filme ça. On a acheté une pilule à nouveau, mais comme je dis, on s'en fout un peu de ces pilules. On n'a pas le temps d'attendre qu'elle drop sa main, donc. Again. Bon, on fait pareil, on va quand même récupérer le coffre. Ouais. Genre de trucs qu'il faut. C'est excellent. Juste pour les HP déjà. Et les tears up, bah, on va pas cracher dessus. C'est très bien aussi. Blastos, on va le faire assez rapidement. Yes, the nail. Alors, réfléchis un peu. Je vais faire autre chose. Non, on est bien. Allez, grande salle directe. Perdons pas de temps là-dessus. Merde. Bon. Le clear rapide a été activé. Ah merde, ce genre de truc ici. Damn. Ok, partons à gauche. Mauvais choix, c'est pas grave. Partir là-haut du coup. Faire pas mal. Bon,
simple comme ça pour nous avec la technologie, ça va assez vite. Ok, let's go. Fuck it. J'ai quand même un peu de thunes pour l'étage suivant vu qu'il y a le marchand de Hoche. Let's go. Oh là 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 là. Ça fait chier. Bon, ça se sentir pas bon toute cette histoire. Ok, fast, fast, fast. Ok, des sous-salles rapides. Convertis tout. Je sais pas pourquoi je viens de prendre les clés, mais bon, je les prends parce qu'on va avoir un chien de coffre qui va tomber. On a le temps encore. Je pense qu'on est pas loin de la salle finale normalement. Ça se passe bien, ouais. Ok. On y est. La môme. Ça va se faire assez rapidement normalement. Tant qu'il nous ouvre cette porte quand même, on va aller voir, on sait jamais. Ah, les faux ça peut être sympa, mais... Je sais pas au niveau de mon point de vue où j'en suis en fait. Non, continue. Qu'est-ce que... Alors, réfléchis bien. Est-ce que ça marche le coupon ici? Ok, je sais pas. Du coup, je le saurai pour les prochaines fois, mais... C'était pas ce que je voulais. Prends le risque ou pas? Vas-y, YOLO. Je sais pas combien je suis en point de vie, donc c'est juste le seul risque. J'ai dû prendre un ou deux coups dans cet étage, donc je vais être à peu près à 3 coeurs. Ah, ça va. Wearcoat, cool. Cool, la recharge. Alors, ce qu'on a déjà là, c'est nul. Un Bumbo qui traîne, mais ils vont se battre pour les pièces. On va prendre ça, écoute. Voilà quoi. Hop, on prend la petite bombe en plus. Chaos. Ah ouais. Waouh. Incroyable. Alors, on va déjà essayer de voir ce qu'on chope de gratos. Cool. Je prendrais bien Chaos en soi. Je vais en prendre une donc ça va. Puis voilà, on va se barrer. Let's fucking go. Oh mais du coup la mouche. Oh là là. Quand elle explose elle fait ça aussi, c'est trop bien. Grosse bombe dans la gueule. On est pas trop mal, hein, j'ai l'impression. Ah merde. Le problème c'est que Gemini et Proc, faut vraiment qu'on se colle. C'est un peu compliqué. Ces bombes elles sont vraiment fucking mortelles quoi.
dieu, ces dégâts sont... Waouh. Ah, c'est vraiment ouf, hein. Damn. Les damage, ils sont là, les gars. Ah, c'était vraiment violent. Oh, shutdown, du coup, Soul of Judah qui est débloqué. Et bah, nous on va Delhi. Voilà. Pas mal, pas mal. Joli fight, franchement. Bien content de moi. On va remettre en place. Hop, le tracker et tout le bordel. Ah. Mon tracker, il part en couille. Il m'affiche que j'ai genre 5 items. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Tracker en PLS, les gars. Bon, essayons de nous mettre le mieux possible quand même. Essayons de laisser une abumbo pour qu'il grossisse. Et comme je dis, ils vont se battre pour les pièces hein, dans tous les cas, donc ça va être hyper chiant. Bumbo. Ok, bumbo, on a eu deux déjà, c'est bien. Bien joué, Bumbo. Bien joué, il a eu les deux, je crois. Ah, ça on veut. Hein. Oh, putain de merde. Ah, oh, il les a tout tués, l'enculé. C'est un peu chiant parce que j'arrive pas à le décaler correctement. Voilà. On va essayer de le pousser vers le haut. De toute façon, on a la clé dorée donc. Hop, infinite open. Y'a plus rien, dommage. Je me suis fait G-bait, ça me rendu du rêve. J'en ai rien eu pour finir. Y'a rien qui sort. Bumbo, non, Bumbo, là là là. Arrête le pet. Non. Quel bâtard. C'est pas qu'on en a trop, mais un peu quand même. Ok, cool, les deux salles secrètes qui seront révélées. Oula. Oula. Alors. Ok, prenons ça, ça fait un point de vie de plus. Alors ça se peut qu'il soit là, donc on va éviter de faire cette salle là. Ah, cette mouche quand elle explose, c'est beau quoi. Yeah, Bumbo a évolué au moins une fois déjà. Là, ça se peut aussi que ce soit là, donc pour le moment, on évite. On a laquelle de Saul? C'est celle de Samson, donc c'est le Berserk mode. Ok. Je me demande qu'est-ce qu'elle fera, là, celle de Judas. T'active une fois les Dark Arts? C'est nul. Enfin, en x1, c'est pas ouf, quoi. Donc, je sais pas. Ça nous mettra en mode... Trop Brahman avec plein d'activables de Satan. Cool, Betrayal. C'est gratuit, on prend. Alors, si on arrive à faire passer Bumbo en phase 3, il droppera des bombes avec nos homing bombs et les bombes qui pètent dans tous les sens. Ce sera violent. Vraiment, ce serait vraiment cool que ça arrive. Bon, comme je dis avec l'autre connard à côté, c'est un peu compliqué. Daf. On va la prendre. Bim, ciao. Sors, récupère ça avant que je l'oublie. Cool. Écoute, des pets en plus, moi je dis pas non, hein. Je prends tous les pets. Hein. Bumbo. Il l'a eu. Je sais pas combien il lui faut de pièces encore, mais je pense que c'était une dizaine. Donc, ça va être un peu long, mais ça peut arriver, ça peut arriver. J'ai pas pris de coup encore, je crois, donc on joue proprement, ça fait plaisir. Alors Bumbo, approche-toi un peu plus, vas-y. Ah merde, j'ai ramassé la pièce de 5. Bumbo. Attends. Je sais pas lequel des deux l'a eu, mais je crois que c'est Bumbo. Allez.
dommage. J'ai été en plein dedans. C'était pas très malin. Et non. Bumbo. Oh, il est trop lent. Ok, ouais. Mais écoute, ça me fait des sœurs alertes, hein, je vais pas dire non. Voilà, oh, salle est tellement gigantesque. Bon. Ok, c'était quoi ça? The Empress, waouh, ça peut être très très bien aussi. Hein. Je préfère ça à Berserk. Alors, du coup, les salles de boss. Ok, donc celle qui est là, tout en haut, là, à droite, déjà, je sais qu'elle est safe. Infested. Bim. Ah, c'est un truc qui fait mal, donc non, non, merci. Let's go. Ouais, on va avoir son poney de merde du coup. Ah non. Little Spear, donc un pet en plus. Attends, on a une pilule. La pète, let's go. Comme s'il passe en forme rouge en plus. Il est colère. C'est un peu chiant que la map aussi grande par contre. Let's go. Bumbo. Compte sur toi. En haut, Bumbo. Ah là 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 là. Le problème c'est que Bumbo il arrive après donc il suit l'autre comme un débile. Ouais, c'est pas ouf. On peut percer le machin. Pim. Let's go. Ah, ça va être compliqué de faire passer en phase 3, les gars. Phase 3, Bumbo, trop bien. Wheel of Fortune. Allez, on va donner des thunes à nouveau. Ouais. Chouette. Faut sauter. Bon, lui, ça peut être le boss, hein, mais testons. Je sais plus ce que c'est. Deux sœurs alert, modifies drops from champions enemies and room clears. Ok, donc je pense qu'on aura des meilleurs drops contre les champions et tout ça. Ce qui est bien, c'est vu qu'on a le bracelet de force, ça augmente les chances qu'on chope des champions, donc c'est trop trop bien. Je savais pas où j'étais. Bordel, je vais prendre les pièces pour refaire des trucs avec. Bon, ok, merde. Emperor, merci. Putain, qu'est-ce qu'on se met bien là pour cet étage, les gars. Infested. Boum. Écoute, on a assez de bombes. Ouais, mais les bombes elles sont fortes, on va les garder. Cette mouche elle fait tellement mal du coup là maintenant, c'est une folie quoi. Il peut pas être là le boss normalement. Aïe, bon, connerie. Hop. Ah, le build est insane. Hein. Je peux récupérer le truc qui fait que c'est gratos, les petits marchands, enfin. Les one time gratos, disons. Faisons ça. Delirium, on l'a trouvé. Ça va vraiment pas être très dur, je pense. Merde.
Demandez les damage up. Il reprend des bombes. Ça va le toucher. Hein. Je drop plein de bombes et je cours. Je ne fais pas bugger la musique, on le bute en forme de pin parce qu'on fait trop de dégâts. Ah, c'est un plaisir de pouvoir l'éclater la gueule comme ça. Hein. Par contre, on commence à prendre un peu cher. Pas le tuer, ce serait bien. Aïe aïe aïe, commence à être low, commence à être low. J'ai peur. Ah non mais on le tue là quand même. Ok, il est mort. Putain de merde. Oh. Eh, c'était short, hein. C'était super chaud. J'ai envie de faire le... Ah, j'ai oublié de claquer ma carte. On l'aurait tué tellement plus vite. C'est pas grave. On va faire le reste des étages tranquille, puisqu'on a Chaos et j'ai envie de loot potentiellement des trucs nouveaux que j'ai jamais eu. Donc, faisons-nous plaisir. Super. Je fais n'importe quoi. Ouh, jamais eu. Mega moche, I'm big now. Ouh. On va claquer au boss. Mega moche. Waouh, on est le giga Isaac. Ah, les dégâts. Le 43 de dégâts. Waouh. Ah, c'est violent. Trop trop bien le méga moche. Trop trop bien. Attends, mais c'est pour tout le temps. C'est pour tout le temps. C'est trop bien. Ah non, c'est un petit moment, ça va partir. Non, clignote. Reste méga moche. No, c'est trop bien. Plus 29 de dégâts, les gars. Attendez, je vais vous lire la description. Alors, Gigant Fights for Short Duration, Increase Damage, Minus Tears, Invulnérable. Invulnérable. Putain, c'est violent. Quoi. Alors, on va faire ça. Je crois que ça me ramène au début, non? Ah non, dans une seule victoire, ok. Ah, la violence du truc, quoi. Trop, trop bien. Méga moche, nouvel item high tier, hein, mais bon, beaucoup de temps de reload, mais waouh, c'est ça qu'il faut choper en fait en jouant le connard. Ouais. On va peut-être dû attendre d'avoir un sort de plus pour le prendre. C'est pas grave. C'est pas comme si on en avait besoin. Alors, c'est qu'il y a des boss qui restent là, par là. Ah non, c'est pas par là. C'est pas grave, je fais un petit détour. Allez, ramassez vos merdes là. Ok, les deux boss restants là-bas à gauche. Puis voilà, on aura fait le délirium et tout. C'est cool, hein. Franchement, la run était cool. Run de familier, comme d'hab, hein, une de mes favorites. Donc, moi, j'hésite pas. Si je peux forcer le truc, je le force. Vous avez vu, BFF, je l'ai pris alors que c'était pas forcément ouf d'entrée. Ah, comme quoi. J'ai la value qu'on a fait avec, hein. Et hop, des friends encore. Je me bloque.
Alors bien qu'il fait tester le méga moche sur le délire, ça c'est vraiment cool. Bah je crois qu'on a tout fini hein. On va se barrer gentiment en prenant le coffre et puis voilà. Non franchement propre, j'ai adoré la run. Je sais pas pour vous mais... j'ai bien joué. Et puis voilà. On a fait le délire, on a fait le hoche qu'on n'avait pas validé je crois. Ça fait deux boss assez casse-couilles de valider, surtout délire. Hein, délire c'est pas une joie les gars, hein. Vous le savez très bien, c'est un peu hop... Pierre feuille fait KO ciseau quoi, c'est genre t'arrives, tu fais ciseau, bah lui il te fait le KO, t'es là bon bah GG well played hein. Il a mieux joué que moi. C'est... ouais c'est un peu... c'est le boss de la connerie quoi. Allez, Dark Arts de débloquer. Waouh, on peut le choper Dark Arts. Waouh, la violence, putain. Voilà, Tainted Judas qui commence à se valider de plus en plus hein. C'est pas là. Ici. Ouais, pas mal. On est pas mal. Il nous resterait le paf avec la négative à faire. Et quoi d'autre? Ah, Greedier, ouais. Et du coup, la The Beast. Ça va, franchement, en deux runs, on peut le clear. 3 du coup avec Greedier. Franchement, ouais, ça se fait. Likez, partagez, commentez, vous connaissez la recette, je compte sur vous, les gars. Puis bah, à très bientôt, c'est toujours un plaisir. Allez, ciao ciao! We'll be right back.